Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo, nous sommes le mardi 21 avril. J'espère que tu as bien dormi, que tu es en pleine forme pour cette deuxième séance. Alors normalement avant de lancer la vidéo, tu t'es entraîné à compter à l'oral de 29 jusqu'à 60 et tu t'es aussi entraîné à écrire en lettres les nombres 1, 2, 3 et 4. Si tu ne l'as pas encore fait, arrête la vidéo puis tu la relances juste après t'être entraîné. Pour cette séance, tu vas avoir besoin de matériel. Alors, il faut que tu prépares avec toi une ardoise, bien entendu le feutre d'ardoise. Et tu dois aussi prendre la fiche de recherche que l'on va utiliser pour les nombres 13 jusqu'à 16. Donc, cette fiche-là, bien entendu, un crayon de papier et une gomme au cas où tu fasses des petites erreurs. Alors, on va commencer par nos rituels. Le tableau des nombres, pas besoin de te le présenter. Alors, peux-tu me dire le nom de la famille verte? Tous les nombres commencent par le chiffre 3, c'est la famille des 30. Le mot 30 commence par tr comme 3. Peux-tu me dire le nom de la famille orange? Tous les nombres commencent par le chiffre 5, c'est la famille des 50. Dans le mot 50, on entend 5. Peux-tu me dire le nom de la famille rose? C'est la famille des 20. Ils commencent tous par le chiffre 2. Alors ça, c'est une nouveauté de ce matin. Normalement, tu as compté jusqu'à ce nombre-là. Peux-tu me dire le nom de la famille? Ce sera la famille des 60. Dans le mot 60, on entend le S comme dans 6. Chaque nombre de la famille des 60 commencera par un 6. Et peux-tu me dire le nom de la famille violette? C'est la famille des 40. Ils commencent tous par le chiffre 4. Écoute bien, dans le mot 40, on entend K comme dans 4. Alors maintenant, je vais te montrer un nombre et tu vas devoir me dire le nom de ce nombre. Quel est ce nombre? C'est le nombre 23. Quel est ce nombre? C'est le nombre 47. Je t'écoute. C'est le nombre 16. Quel est ce nombre? C'est le nombre 52. Quel est ce nombre? C'est le nombre 30. Quel est ce nombre? C'est le nombre 29. Quel est ce nombre? C'est le nombre 60. Quel est ce nombre? C'est le nombre 55. Et enfin, un dernier. C'est le nombre 41. Alors, maintenant, je vais te dire un nombre et il va falloir que tu me trouves le nombre qui vient juste avant. Alors, quel nombre vient avant 35? Alors, sur notre tableau, on cherche 35 et le nombre qui vient juste avant, c'est 34. Quel nombre vient juste avant 53?
Le nombre 53 est ici. Du coup, le nombre qui vient juste avant, c'est 52. Quel nombre vient juste avant 30? Peut-être as-tu un peu plus de mal. Alors, regarde. Le nombre 30 est ici. Pour trouver le nombre qui est juste avant, tu n'en as pas devant la ligne. Donc, il faut que tu remontes la ligne qui est au-dessus. Donc, le nombre juste avant 30, c'est 29. D'accord? Donc, quand on compte, on fait 28, 27, 28, 29, 30. Donc, 29, c'est bien le nombre qui vient juste avant. On change la consigne. Tu vas devoir me donner le nombre qui vient juste après, cette fois-ci. Alors, quel nombre vient juste après 46? Le nombre 46 est ici, donc celui qui vient juste après, c'est 47. Quel nombre vient juste après 51? Le nombre 51 est ici, donc celui qui vient juste après, c'est 52. Quel nombre vient juste après 11? Le nombre 11 est ici, donc celui qui vient juste après, c'est 12. Dernier petit exercice qu'on fait sur notre tableau des nombres. On s'est déjà entraîné plusieurs fois. On va compter de 2 en 2. Compter de 2 en 2, ça veut dire qu'on, par exemple, on va partir du 0 et on va sauter une case. Donc, je pars du 0, je saute une case, j'arrive sur le 2. Je saute encore une case, 4, etc. Alors, on va compter de 2 en 2 jusqu'à 24. Allez, on y va ensemble. Donc, on saute une case, rappelle-toi. 0, 2, 4, 6, 8. Alors là, hop, je saute celle-là et je vais en dessous. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. On va compter de 2 en 2 jusqu'à 16. Allez, on y va. On repart du début. Rappelle-toi, on saute une case et on compte de 2 en 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. À la maison, tu peux t'entraîner à compter de 2 en 2. Tu choisis un nombre au départ. Alors moi, j'ai pris le nombre 0. Mais tu aurais pu dire, je compte de 2 en 2 à partir de 5. C'est possible. Et ensuite, tu choisis le nombre jusqu'où tu veux aller. Alors, on va commencer, du moins, on va faire un petit problème aujourd'hui, plutôt du calcul mental. Tu as besoin donc de ton ardoise, de ton feutre d'ardoise. Prépare-les sur le côté de la table. Je te lis le problème. Léo a 11 pulls. Léa a 7 pulls. Combien ont-ils de pulls en tout? Alors, pour résoudre ce petit problème, il va falloir que tu fasses le dessin, que tu écrives l'opération, et si tu y arrives, mais je sais que tu en es capable, une petite phrase pour répondre à la question qu'on t'a posée. Je te relis le problème et ensuite je te laisserai le temps de faire ce petit problème. Léo a 11 pulls, Léa a 7 pulls. Combien ont-ils de pulls en tout? Allez, c'est à toi. Mets la vidéo sur pause et tu la relances une fois que tu as terminé.
qu'on corrige ensemble. Normalement, tu as eu le temps de terminer. Alors, on relit le petit problème. Léo a 11 pulls. Donc, on va commencer par notre dessin. Alors, plutôt que dessiner un pull qui prendrait trop de temps, je décide que mes pulls, je vais les dessiner sous forme de rond. Donc, un rond, c'est un pull. Donc, comme Léo a 11 pulls, je vais en dessiner 11. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ensuite, on te dit que Léa a 7 pulls. Alors, est-ce qu'on va enlever des pulls à Léo? Est-ce qu'on va les barrer? Ou est-ce qu'on va en rajouter? Alors, on va en rajouter parce que cette fois-ci, ce sont les pulls de Léa. Et comme elle en a 7, je vais dessiner 7 pulls. Alors, je change de couleur parce que j'en rajoute. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors maintenant, on va écrire notre opération. On a dit que Léo avait 11 pulls, donc j'écris le nombre 11. Ensuite, on en a rajouté. Donc le petit signe pour dire qu'on en rajoute, c'est le signe plus. Et Léa, on a dit qu'elle en avait 7, donc plus 7. Rappelle-moi, qu'est-ce qu'il veut dire ce petit signe-là qu'il ne faut pas oublier ? Ça veut dire qu'en tout, il y en a, donc on calcule, 11 plus 7, tu as le droit de t'aider de ton dessin si tu as besoin, ça fait 18. On va écrire notre phrase réponse. Comme phrase, on aurait pu écrire « Il... » ont 18 pulls. Et on n'oublie pas le point à la fin de notre phrase. Voilà, donc là on a résolu notre petit problème. Le dessin, l'opération et notre phrase réponse. Allez, on passe à notre leçon du jour. Alors, on s'est déjà entraîné à décomposer des nombres jusqu'à 12. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. Alors, rappelle-toi, décomposer un nombre, ça veut dire qu'on le partage en plusieurs parties. Nous, on s'entraîne à le décomposer pour le moment en deux parties. Donc, on va faire un exemple. Ici, ça représente le nombre 11. Donc, comment est-ce qu'on pourrait partager le nombre 11 en deux? Alors, je vais choisir deux couleurs. Je vais dire, allez, les rouges vont prendre cette partie-là et les verts vont prendre cette partie-là. On est d'accord que là, on a bien tout entouré, donc on a bien partagé le nombre 11. On peut écrire donc que le nombre 11, c'est en rouge 5 plus la quantité verte 6. Rappelle-toi que dans une addition c'est avec un petit signe plus, l'ordre de ces deux nombres-là n'est pas important. J'aurais pu écrire 5 plus 6, ou alors l'inverse, 11 égale 6 plus 5. On va essayer de trouver une autre façon de faire. Alors, donc j'en avais entouré 5 pour les rouges. Cette fois-ci, je vais décider d'en entourer 7. Du coup, le reste, c'est pour les verts. Rappelle-toi, il faut tout partager. Donc, on peut écrire que 11 est égal à 7 plus la quantité verte. 4. Ou alors, rappelle-toi, on peut inverser. Ça veut dire que 11 est égal à 4 plus 7. Et là, si on regarde, on a déjà trouvé 4 décompositions du nombre 11.
Alors maintenant, on va s'entraîner donc avec les nombres 13 jusqu'à 16. Donc sur ta feuille, ici, tu prends ton crayon de papier et tu vas faire la décomposition du nombre 13 uniquement. Attention, que celle-là, pas celle du dessous. Pour le moment, celle-là, on ne les fait pas. Donc, à toi de trouver deux décompositions du nombre 13. Alors, si tu y arrives très bien, tu peux sur ton ardoise essayer de trouver toutes les décompositions du nombre 13. Je te laisse faire, mets la vidéo sur pause, on se retrouve juste après. Allez, on se retrouve pour la correction des décompositions du nombre 13. Alors, nous, on va toutes les voir ensemble. Ça va être assez rapide parce que, rappelle-toi, à chaque fois, on prend aussi l'inverse. Du moins, on écrit l'inverse. Alors, donc on a toujours les rouges et les verts. On va décider que les verts n'auront aucun jeton ici. Ça veut dire que les rouges auront tous les jetons. Donc on peut écrire que 13, c'est égal à 0 vert plus 13 rouges. Maintenant, on inverse. 13, c'est aussi égal à 13 plus 0. Allez, alors on va augmenter pour essayer de toutes les trouver. Il faut trouver une solution pour ne pas en oublier. Donc on va augmenter progressivement le nombre de jetons pour les verts. Donc ils en avaient 0. Maintenant, je vais leur en donner 1. Tous les autres, c'est pour les rouges. Donc, je peux écrire que 13 est égal à 1 plus, si on compte, on a 12. Maintenant, on peut écrire l'inverse, que 13, c'est aussi égal à 12 plus 1. Ça, on l'avait déjà remarqué. Plus les verts augmentent, et à l'inverse, plus les rouges vont diminuer. On en avait parlé de ça. Allez, ils en avaient un, cette fois-ci, ils vont en prendre deux. Les rouges ont tout le reste. Allez, essaie de trouver l'opération dans ta tête. Du coup, 13, c'est égal à 2 plus 11. Aussi l'inverse. 13, c'est égal à 11 plus 2. On continue. On en avait 2 pour les verts. Cette fois-ci, on va leur en donner 3. Les rouges auront tout le reste. Du coup, on peut écrire que 13 est égal à 3 plus, si on compte, on en a 10, ou alors l'inverse, 13, c'est aussi 10 plus 3. Regarde encore, on le voit là, on augmente progressivement, et la colonne de droite, on baisse progressivement, on diminue progressivement. On continue, ils en avaient 3, maintenant on va leur en donner 4. Les rouges ont tout le reste. Allez, essaye de trouver l'opération avant que je ne l'écrive. Donc 13, c'est 4 plus. Allez, essaye de chercher dans ta tête 9. Ou alors, on peut aussi écrire que c'est 9 plus 4. On continue d'augmenter progressivement pour les verts. Ils en avaient 4. Cette fois-ci, on va leur en donner 5. Les rouges auront tout le reste. Donc on peut écrire que le nombre 13, c'est égal à 5 plus, si on compte, on en a 8, ou l'inverse, 8 plus 5. Il nous en reste un à trouver, du moins deux. Alors, ils en avaient 5 cette fois-ci, on va leur en donner 6.
Les rouges auront tout le reste. Et tu vas voir pourquoi ce sont les deux derniers. Donc, on a 6 verts plus 7 rouges. Ou bien l'inverse, 7 rouges plus 6 jetons verts. Alors, je t'explique pourquoi ce sont les deux derniers. Si on augmente ici les jetons verts, on en aurait 7. Donc, je les prends pour te montrer. Et les rouges en auraient 6. Donc, ça ferait 7 plus 6. Mais regarde, on l'a déjà écrit ici. Donc, ça veut dire qu'on a terminé de trouver toutes les décompositions du nombre 13. Sur ta feuille, normalement, tu en as trouvé 4 parmi toutes celles-là. On va s'entraîner ensemble à trouver le nombre qui manque pour arriver jusqu'à 13. Donc ici, c'est ce qu'on appelle une opération à trous. Ça veut dire qu'il manque un nombre et il faut que tu le trouves. Donc on veut en tout 13 jetons. 13 jetons, on nous en donne déjà 7. Alors cherche dans ta tête, combien est-ce qu'il faut en rajouter pour arriver jusqu'à 13? Alors rappelle-toi, il y a une dizaine, ça veut dire une boîte complète. Et 3 unités, ça veut dire 3 dans la boîte suivante. Allez, je pars de 7 et je surcompte. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Combien est-ce qu'on a rajouté de jetons? 6. Donc on peut écrire que 13 est égal à 6 plus 7. On en fait un autre ensemble avant que tu travailles tout seul. Nouvelle décomposition, opération à trous, pardon. Donc, il nous faut 13 jetons en tout. Et on en a déjà 4 de placés. Combien de jetons rouges dois-tu rajouter pour arriver jusqu'à 13? Allez, on fait ensemble. Donc on part de 4 et on continue. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors combien a-t-on rajouté de jetons rouges? On en a rajouté 9. Mince. Voilà. Donc on peut écrire que 13 est égal à 4 plus 9. Maintenant, c'est à ton tour. Donc, sur ton ardoise, il faut que tu trouves le nombre qui manque pour que l'opération soit correcte. Donc, il te faut 13 jetons en tout, à chaque fois, et on te donne un nombre de départ. Donc, sur ton ardoise, avec ton feutre d'ardoise, je te laisse faire ces 3 cas-là. Tu mets sur pause et quand tu as terminé, tu relances la vidéo. Alors, on veut 13 jetons, on en a déjà 11, donc je pars de 11 et je continue, 11, 12, 13. Il a fallu rajouter 2 jetons. Toujours 13 jetons en tout, et cette fois-ci, je pars de 5 et je continue. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il faut que j'en rajoute 8. Le dernier, il me faut 13 jetons, je pars de 0, ça veut dire que j'en ai pas du tout. Donc là, c'est facile. Si je n'en ai pas du tout, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc j'ai rajouté 10 et 3, il nous en fallait 13. Vérifie que tu as écrit les bonnes réponses. Si tu as besoin, demande de l'aide à papa ou maman pour te réexpliquer. Ou alors, tu reviens en arrière pour la vidéo. Alors, on va décomposer maintenant le nombre 14. Sur ta fiche, maintenant, c'est le deuxième cas. On fait uniquement celui-là, puis on se retrouve juste après pour faire la correction. Allez, à toi de jouer.
fait la correction ensemble. Alors nous, on va encore trouver toutes les décompositions du nombre. Toi, tu en as trouvé 4. Alors peut-être que tu as voulu en trouver plus, donc tu as fait sur ton ardoise d'autres décompositions. Je prends toujours mes deux couleurs. Alors les verts, je décide de leur en attribuer 0. Donc les rouges auront tout le reste. Du coup, je peux écrire... Alors, je ne vais plus utiliser les couleurs ici, hein, d'accord? Donc, 0 pour les verts et 14 pour les rouges. Ou alors l'inverse, 14 plus 0. Cette fois-ci, les verts, je décide de leur en donner 1. Les rouges auront tout le reste. Donc, 14, c'est 1 plus 13. Ou alors l'inverse, 13 plus 1. On continue. J'en donne plus 1, mais cette fois-ci j'en donne 2 pour les verts, tout le reste pour les rouges. Et j'écris mon opération. 2 plus 12 est égal à 14. Ou alors l'inverse, pour faire 14, c'est 12 plus 2. On augmente progressivement. Donc les verts en avaient 2, maintenant je vais leur en donner 3. Les rouges auront tout le reste. Donc je peux écrire que 14 est égal à 3 plus 11. Ou alors l'inverse, 11 plus 3. Les verts en avaient 3, cette fois-ci on va leur en donner 4. Allez, essaye d'anticiper l'opération que je vais écrire. 4 plus 10, ça fait bien 14. Ou alors l'inverse, 10 plus 4. Ils en avaient 4, cette fois-ci on va leur en donner 5. Les rouges ont tout le reste. Et je peux écrire que 14, c'est 5 plus 9. Ou l'inverse, 9 plus 5. Ils en avaient 5, je vais leur en donner 6. Le reste, c'est pour les rouges. Donc 14, c'est 6 plus 8. Ou alors l'inverse, 8 plus 6. Il nous reste une dernière possibilité. Donc les verts, ils en avaient 6, on va leur en donner 7. Les rouges auront le reste. Du coup, on peut écrire que 14, c'est égal à 7 plus 7. Alors là, on ne va pas inverser parce que ça nous donnerait exactement la même chose. Donc ça ne sert à rien d'écrire deux fois la même opération. D'accord ? Sur ta feuille, normalement, voire sur ton ardoise, si tu as voulu toutes les trouver, tu as trouvé ces décompositions-là. Vérifie si tu as besoin, corrige. Allez, on fait ensemble. Donc, il nous faut en tout 14 jetons. J'en ai déjà placé 5. Combien faut-il en rajouter pour en avoir en tout 14? Rappelle-toi, une dizaine, c'est une boîte complète, 4 unités, c'est 4 jetons seuls dans la boîte suivante. Allez, je pars de 5 et je continue. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Combien avons-nous rajouté de jetons rouges?
on en a rajouté 9. Donc on peut écrire que 14 est égal à 5 plus 9. Ou alors l'inverse, 9 plus 5. On en fait un deuxième ensemble. Alors, combien dois-tu rajouter de jetons rouges pour avoir en tout 14 jetons? Donc on part de 10 et on continue. 11, 12, 13, 14. Combien avons-nous rajouté de jetons rouges? On en a rajouté 4. Donc on peut dire que 14 est égal à 4 plus 10 ou alors l'inverse, 10 plus 4. Allez, cette fois-ci, c'est à toi de t'entraîner. Donc sur ton ardoise, tu réécris les opérations à trous au fur et à mesure et tu les complètes. Donc 14 est égal à quelque chose plus 7. À toi de trouver ce qui manque pour aller jusqu'à 14. Tu fais les 3, mets la vidéo sur pause et ensuite tu relanceras quand tu auras terminé. On corrige ensemble. Alors, pour aller jusqu'à 14, quelque chose plus 7, donc je pars de 7 et je continue. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc il faut rajouter 7. Toujours 14 en tout, cette fois-ci je pars de 12, donc c'est 12 plus quelque chose qui fait 14. Donc 12, 13, 14. C'est 12 plus 2. Et enfin le dernier, il faut 14 jetons en tout, c'est quelque chose plus 6, donc je cherche 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc c'est 6 plus 8. Vérifie que tu as les bonnes réponses. Et si c'est bon, on continue. Alors maintenant, tu vas devoir trouver les décompositions du nombre 15. Donc on continue notre fiche recherche. Cette fois-ci, c'est le troisième cas. Donc tu fais seulement pour le nombre 15. Tu en as 4 à trouver, du moins 2 et inversé. Si tu as envie, tu peux trouver, tu peux essayer de trouver toutes les possibilités sur ton ardoise. Mets la vidéo sur pause, on se retrouve juste après. On corrige. Alors, donc, j'ai toujours mon équipe verte, mon équipe rouge. Donc, chez les verts, j'en donne aucun pour commencer. Ça veut dire que les rouges auront la totalité. Donc, je peux écrire que 15, c'est 0 pour les verts, plus 15 pour les rouges. Ou alors l'inverse, c'est 15 plus 0. J'augmente progressivement le nombre de points que j'attribue à mon équipe verte. Cette fois-ci, j'en donne 1. Ça veut dire que les rouges ont tout le reste. Donc, 15, c'est égal à 1 plus 14. Ou l'inverse, c'est égal à 14 plus 1. Ils en avaient 1. Les verts, maintenant, ils en ont 2. Les rouges ont tout le reste. Donc, je peux écrire que 15 est égal à 2 plus 13. Ou alors, l'inverse, 13 plus 2. Continue. Ils en avaient 2, maintenant je vais leur en donner 3. Les rouges ont le restant. Donc je peux écrire que 15 est égal à 3 plus 12. Ou alors 12 plus 3. Les verts en avaient 3, maintenant ils vont en avoir 4. Les rouges ont tout le reste.
Donc je peux écrire que 15 c'est égal à 4 plus 11. Ou alors l'inverse, 11 plus 4. Les verts en avaient 4, maintenant ils vont en avoir 5. Les rouges ont le restant. Alors normalement tu devrais reconnaître rapidement les constellations. Hein. Donc c'est égal, donc 15 est égal à 5 plus 10. Ou l'inverse, 10 plus 5. Comme on avait remarqué tout à l'heure, hein, à gauche, ça augmente, alors qu'à droite, ça diminue. Les verts en avaient 5, cette fois-ci, on va leur en donner 6. Les rouges ont le reste. Donc on peut écrire que 15, c'est égal à 6 plus 9, ou l'inverse, 9 plus 6. Les verts, en avaient 6, on va leur en donner 7. Les rouges ont le reste. Donc je peux écrire que 15 est égal à 7 plus 8. Ou alors l'inverse, 8 plus 7. Et là on a tout trouvé. Parce que si chez les verts, donc ils en avaient 7, si je leur en donne 8, les rouges en auraient 7, donc ça ferait 8 plus 7, et regarde, on vient de l'écrire. Donc on a terminé, on a trouvé toutes les décompositions du nombre 13. Vérifie que tu as trouvé des décompositions qui font partie de cette maison-là, que tu ne t'es pas trompé. On s'entraîne ensemble ? Alors, il nous faut en tout 15 jetons. Voici la proposition, du moins voici les jetons qui ont déjà été attribués. Il y en a 13. Combien faut-il en rajouter pour avoir en tout 15 jetons? Donc on commence à compter à partir de 13. 13, 14, 15. On en a rajouté 2. Donc 15 est égal à 2 plus 13, ou j'aurais pu dire l'inverse, 13 plus 2. Alors, toujours 15 jetons en tout, et cette fois-ci on a 6 plus quelque chose. Donc on part de 6, et on compte combien il faut rajouter pour en avoir 15. Allez, c'est parti. 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15. Combien avons-nous rajouté de jetons rouges? On en a rajouté 9. Donc 15 est égal à 6 plus 9, ou alors l'inverse, 9 plus 6. Allez, c'est à ton tour. Sur ton ardoise, maintenant, tout seul, à toi de trouver les trois réponses pour les trois opérations à tout. Tu mets la vidéo sur pause, on se retrouve après. On corrige ensemble. Alors, donc, il nous faut 15 jetons en tout et on sait que c'est 3 plus quelque chose. Donc, on part de 3 et on continue. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc j'ai rajouté 10 plus 2, ça fait 12. Tu peux vérifier en faisant dans l'autre sens. 12 plus 3, donc je prends le grand nombre. Rappelle-toi, c'est comme ça qu'on s'entraîne à calculer dans notre tête des opérations. On prend le grand nombre dans sa tête et on rajoute le petit. Donc 12, 13, 14, 15, c'est bon, c'est la bonne réponse. Ensuite, donc 15, quelque chose plus 8. Alors, je pars de 8 et je continue. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'était 8 plus 7.
le dernier. Donc c'est 5 plus quelque chose. Je pars de 5 et je continue. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il faut rajouter 10. Vérifie que tu as les bonnes réponses. Si jamais tu n'as pas compris, tu peux demander à papa ou maman. Ou alors tu peux essayer de revenir en arrière pour comprendre. Allez, cette fois-ci, c'est le dernier qu'on va décomposer, c'est le nombre 16. Donc sur ta feuille, comme on a déjà fait, cette fois-ci c'est tout en bas, c'est le dernier cas. Donc tu en as 4 à trouver. Si tu veux, si tu y arrives, mais je suis persuadée que tu peux y arriver, parce que là on en a fait plusieurs, tu peux essayer de trouver toutes les décompositions sur ton ardoise. Mets la vidéo sur pause et puis on se retrouve après. Allez, on corrige ensemble. On va essayer de toutes les trouver. Donc, on a toujours les verts et les rouges. Les verts, je décide de leur en donner 0. Ça veut dire que les rouges ont tout le reste. Donc, je peux écrire que 16, c'est 0 pour les verts, plus 16 pour les rouges. Ou alors l'inverse, 16 plus 0. On en donne 1 pour les rouges, pour les verts, pardon. Et le reste, c'est pour les rouges. Donc on peut écrire que 16, c'est égal à 1 plus 15. Ou l'inverse, 15 plus 1. Les verts en avaient 1, je vais leur en donner 2. Les rouges ont tout le reste. Donc 16, c'est égal à 2 plus 14, ou l'inverse, 14 plus 2. Les verts en avaient 2, cette fois-ci je vais leur en donner 3. Les rouges ont tout le reste. Et donc je peux dire que 16, c'est égal à 3 plus 13. Ou alors l'inverse, 13 plus 3. Les verts en avaient 3, on va leur en donner 4. Les rouges ont tout le reste. Et donc je peux écrire que 16, c'est égal à 4 plus 12, ou alors l'inverse, 12 plus 4. On va encore, hein? Ça augmente à gauche, ça diminue à droite. Les verts en avaient 4, on va leur en donner 5. Les rouges ont le reste. Donc on peut écrire que 16, c'est égal à 5 plus 11, ou alors l'inverse, 11 plus 5. Regarde au fur et à mesure hein, si tu as trouvé certaines décompositions sur ta feuille. Les verts en avaient 5 cette fois-ci, ils vont en avoir 6. Les rouges ont le reste. Donc je peux dire que 16, c'est égal à 6 plus 10, ou alors l'inverse, 10 plus 6. Ils en avaient 6, je leur en donne 7. Les rouges ont le reste. Donc 16, c'est égal à 7 plus 9, ou l'inverse, 9 plus 7. Il reste une solution à trouver. Donc ils en avaient 7, on va leur en donner 8. Les rouges ont le reste et ils en ont aussi 8. Donc je peux écrire que 16, c'est égal à 8 plus
8. Pas besoin de réécrire l'inverse parce que c'est exactement la même chose. Donc vérifie que tu as trouvé les décompositions qui font partie de ce tableau, du moins de cette maison du 16. On s'entraîne ensemble? Allez, il nous faut 16 jetons en tout, on en a déjà 15. Là c'est assez facile, combien faut-il en rajouter pour en avoir 16? Donc je pars de 15, je continue, 16. Il fallait en rajouter 1. Celui-là. Donc il nous faut 16 jetons en tout, on en a déjà 8. Combien faut-il en rajouter? 1. Allez, on part de 8, on continue. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Combien est-ce qu'on a rajouté de jetons rouges? On en a rajouté 8. Donc je peux écrire que 16 est égal à 8 plus 8. Allez, c'est à ton tour de t'entraîner tout seul sur ton ardoise. À toi de trouver les réponses manquantes pour chaque opération à toi. Mets la vidéo sur pause, on se retrouve après. Allez, on corrige ensemble. Alors, il me faut 16 jetons en tout. 16, c'est égal à 11 plus quelque chose. Donc, je pars de 11 dans ma tête. Si je continue, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il faut rajouter 5. Donc, 16, c'est égal à 11 plus 5. Ou alors l'inverse, 5 plus 11. Cette fois-ci, il me faut 16 jetons en tout. J'ai quelque chose plus 2. Donc, je pars de 2 et je continue. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc j'ai eu 10 plus 4, ça fait 14. Et ensuite, du moins, et enfin, le dernier. Donc il nous faut 16 jetons en tout, on en a déjà 7, donc je continue. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il faut rajouter 9 jetons. Vérifie que tu as les bonnes réponses, corrige si besoin. Sinon, notre séance de mathématiques est terminée. N'hésite pas à revoir quelques passages de la vidéo s'il y a des petites choses que tu n'as pas compris ou alors à demander de l'aide si tu en as besoin. Je te souhaite une bonne fin de journée et à bientôt!